j'espère que vous allez bien. Je sais pas quoi vous dire, franchement. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis dans la chaîne de David l'artiste et il va arriver dans pas longtemps. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser faire une vidéo pour voir ce qu'il va dire quand il va arriver dans sa chaîne. Voir que vraiment il va voir que j'ai piqué sa chaîne. Alors donc voilà quoi. Bon, il va arriver dans une minute à l'autre. On va attendre David l'artiste, les amis. Je suis vraiment excitée et je vais attendre qu'est-ce qu'il va faire, ce gros duc. Mais, où t'en as? Qu'est-ce que tu fais? T'as commencé la vidéo de fin mois? Comment ça? Tu fais la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? T'as commencé la vidéo de fin mois? Bon, ben c'est pas grave si t'as commencé la vidéo de fin mois. Allez, laisse-moi une place. Ah ben, moi je viens du travail, t'as commencé la vidéo sans moi. Bon, c'est pas grave Jean-Marc, c'est pas grave, c'est pas grave. On va commencer la vidéo, c'est pas grave mon petit Jean-Marc. On va commencer la vidéo, bah, voilà, je reviens du travail. Mon petit ami Jean-Marc qui a fait la vidéo sans moi, qui a, comme vous avez vu, il a tout préparé. Et puis voilà, bon ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si Jean-Marc se décide de parler, enfin. Jean-Marc, tu peux arrêter de bouder, c'est pas grave. C'est pas grave, la vidéo, si tu l'as commencé avant moi, c'est pas grave Jean-Marc. Comment ça tu t'es bien amusé tout seul? Comment pas? Et je voulais te poser une question, c'est pas indiscret. Tu fais quoi avec ce truc dans la bouche? T'es infirmière, c'est ça? Je suis pas infirmière, c'est que avec le virus, tu sais, que je t'ai parlé l'autre fois, le coronavirus, en fait, on est obligé de mettre des masques et du coup, je sors du travail et puis je fais avec mon masque. Et puis voilà, c'est pour ça que je mets le masque, parce que là, on n'a pas un mètre de distance tous les deux. Ah bon? On s'en fout d'un mètre de distance. On s'en fout complètement. Je sais pas pourquoi tu veux faire des 1 mètre de distance. De toute façon, on n'a pas le coronavirus tous les deux. Ah bon? On n'a pas le coronavirus? Qui te dit que je l'ai pas? Tu sais pas, tu peux pas savoir si Jean-Marc si j'ai rien. Tu peux pas savoir si moi-même j'ai le coronavirus, hein, peut-être que je l'ai. Ah bon, tu l'as? Eh bien, ne t'approche pas de moi alors si tu l'as. Franchement, parce que là, franchement, tu me fais chier. Hein. Parce que si je tombe malade à cause de toi, franchement, tu vas comprendre. Hein. Et franchement, je suis pas malade, je suis vraiment pas malade, j'ai pas le coronavirus. Mais je vais l'enlever, t'inquiète, le masque, parce que franchement... Mais allez, c'est merde, c'est bon, on fait des vidéos ou pas? T'avais dit mercredi on fait une vidéo, et puis là, je sais pas ce que tu fais, tu viens avec ton masque de merde, là. Déjà, c'est pas un masque de merde, déjà, c'est un masque de protection contre les gens qui sont malades. Mais t'es pas malade, tu m'avais pas dit que t'étais malade l'autre fois? Tu n'es pas malade, je sais pas bien que tu n'es pas malade. Alors arrête de enlève-moi cette merde, vas-y, enlève-moi ça. Arrête, Jean-Marc, c'est bon. On fait une vidéo, on n'est pas venu pour se battre. On fait une vidéo. Ouais, mais déjà pour commencer, enlève ce masque. Bon, d'accord, c'est bon. Bon, voilà, c'est mieux là, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux là, non? Oui, c'est mieux, voilà. De toute façon, on n'est pas à un mètre de distance, mais si, on n'est pas à un mètre de distance, mais de toute façon, si franchement on n'est pas à un mètre de distance et que tu tombes malade, tu ne viendras pas te plaindre, d'accord? Tu ne te plaindras pas, genre, parce que moi, franchement, moi là, je ne suis pas malade, mais qui te dit que je n'ai pas eu le coronavirus, je ne l'ai pas chopé dehors ou bien au travail ou pas? Tu fais ce que tu veux, mais au travail, tu le mets, mais pas ici, ok? À la maison, tu ne mets pas de cette merde, là, on a compris? Ça va Jean-Marc, ça va. Je l'ai enlevé, c'est bon. C'est bon? Ça te plaît? T'as intérêt à l'enlever, franchement. Bon, allez, on continue la vidéo, non? Oui, oui, on continue la vidéo, Jean-Marc. Bon, alors, tu as fait quoi de ta journée et tu veux qu'on fasse quoi comme vidéo? Puisque, je sais pas, t'étais pressé, tu m'as même pas attendu. Mais on avait pas dit mercredi? Oui, on avait dit mercredi, mais bon, voilà. Ce que je pense que, franchement, c'est on avait prévu de faire une vidéo assez simple et tout, et que j'avais prévu que tu m'attendes, que je mets le matos tout en route, et puis voilà. Mais tu vois, j'ai eu le matos tout seul, j'ai même pas eu besoin de toi. C'est bien Jean-Marc, c'est bien, c'est bien. Pour ta première vidéo, franchement, ça va. Franchement, je dis, c'est très très bien pour ta première vidéo. Tu vois, je me débrouille bien sans toi. J'ai même
Ouais, c'est bien, franchement. Ben, la prochaine vidéo, je pense que Jean-Marc, j'ai peut-être une idée à faire comme vidéo, mais par contre, tu m'attends cette fois-ci. Hein, puisque à chaque fois, si c'est pour faire des vidéos que tu m'attends pas, franchement, attends-moi. Mais je t'ai pressé, Jean-Marc, tu fais ce que tu dis. Je t'ai pressé, j'ai pas le droit d'être pressé, non? Oui, c'est bon, Jean-Marc, t'énerve pas, ça va, ça va. Ça va. Alors, déjà, on n'a pas fait une vidéo pour s'énerver, on fait une vidéo tranquille. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Ok. Mais je pense que j'ai une idée de vidéo. C'est quoi ton idée, non? Dis-moi. Dis-la à tous tes amis youtubeurs. Dis-la, allez, vas-y, dis. Vous voulez quoi comme vidéo? Ouais, vous voulez quoi? Jean-Marc, s'il te plaît, viens ici et laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. D'accord? Bon, on va faire comme vidéo, et bien on va faire aujourd'hui. Bon, je sais même plus quoi faire comme vidéo parce que là tu as commencé la vidéo. Du coup, ben, la prochaine vidéo, je vais pas leur dire à nos amis youtubeurs et puis ça sera la surprise. Mais je pense que j'ai une idée. J'espère que tu me prends pas en traite, c'est pas si Jean-Marc. Hein. Tu fais pas une vidéo en traite sans mon autorisation et j'espère pour toi que tu vas m'attendre parce que vraiment c'est pas sympa ça. Tu m'as même pas attendu, tu commences la vidéo. Oui, mercredi, on avait dit mercredi, on fait une vidéo, mais mercredi soir, pas mercredi matin. Et déjà, tu m'attends quand je viens. Quand je viens, je finis le travail, et après, on fait une vidéo tranquille, d'accord? Ok, mais la prochaine fois, franchement, je ferai une vidéo mieux que ça, t'inquiète. Je ferai une vidéo, franchement, nickel, tu verras. Ok, 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 Jean-Marc. Bon, ben, Jean-Marc, si t'es d'accord, la vidéo, on l'a fait dimanche, c'est bon? Dimanche? Pourquoi? C'est pas le jour du Seigneur, dimanche? Jean-Marc, c'est bon, on peut faire la vidéo dimanche, c'est pas parce que c'est le jour du Seigneur, le dimanche, qu'on n'a pas le droit de faire des vidéos. Oui, dimanche, c'est quand même le jour du Seigneur, donc on va pas faire des vidéos dimanche quand même. Vous êtes pas d'accord, les amis youtubeurs? Jean-Marc, on verra. Peut-être ça sera samedi, on fera une vidéo, ou peut-être lundi, d'accord? On verra si on fait une vidéo. Déjà, reste calme, et puis on fera une vidéo si tout se passe bien, d'accord? T'es intérêt qu'on fait une vidéo, parce que moi, j'avais peur d'attendre. Parce que ça fait longtemps que j'ai attendu pour faire cette vidéo, et j'étais pas attendu, c'est pour ça que j'ai commencé à faire une vidéo. Ok. Quelle la vidéo? Oui, un max de likes pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la vidéo prochaine. Et on verra ce qu'on va pouvoir faire comme vidéo, moi et Jean-Marc. Puisque je sais pas. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit quoi? Dimanche ou lundi? Je m'en rappelle plus. Je sais pas, Jean-Marc. On verra. Dimanche ou lundi ou peut-être mardi prochain, je sais pas. Non, ben, moi je préfère franchement faire une vidéo. Le dimanche, puisque c'est le jour du Seigneur, tu comprends, et puis voilà quoi. Et les